5 candidats sur la scène de la rotonde de Cap Avenir Vauchetaon, 5 voix bien distinctes, 5 espoirs de la chanson, c'était en tout cas le nom de ce concours régional proposé samedi. Concours de chant qui a vu le jour en 2000, qui a connu depuis des hauts et des bas, mais qui a le mérite d'exister encore aujourd'hui. 40 personnes ont été castées sur le net cette année et donc 5 ont été retenues pour cette finale. Il faut que les jeunes talents qui ont envie de faire ce métier, en tout cas, aient l'occasion d'avoir justement ce genre de tremplin pour pouvoir se faire connaître. Et puis on a la chance aussi d'avoir des membres du jury qui sont dans le milieu, qui sont professionnels et qui vont justement, pourquoi pas, les repérer. Et parmi les membres du jury, également marraine d'ailleurs de cette édition, Anaka, que l'on voit ici à son tour sur scène, lauréate du concours en 2003, devenue depuis comédienne et chanteuse, bientôt à l'affiche de la comédie musicale Priscilla, folle du désert. Ça a permis de faire tout ce que je fais aujourd'hui parce que c'était mes vraies premières scènes. En 2003, j'étais pas bien vieille, donc du coup j'ai fait mes premières armes sur la scène des espoirs de la chanson. Si on a de la chance, si on travaille beaucoup aussi et si on en veut, bah, on arrive à faire de belles choses. Donc je suis ravie et je regrette absolument pas d'avoir fait ce concours. Elle non plus ne devrait pas regretter d'avoir participé, la benjamine de cette édition, Marine François d'Étival Clairefontaine, une jeune chanteuse de 16 ans, plébiscitée par le jury. Elle est devenue samedi un nouvel espoir de la chanson. Je voulais savoir un peu ce que je valais, savoir être jugée par des personnes qui s'y connaissent vraiment, pour savoir, pour qu'ils puissent juger ma voix. Qu'est-ce que tu ressens quand tu es sur scène? Au début, beaucoup de stress. Une fois que c'est passé, après, ça va mieux. Mais après, c'est de la joie. Marine François remporte le concours et une année de formation à la Music Academy internationale de Nancy, un centre de formation pour jeunes artistes encadré par des chanteurs et des musiciens professionnels.